est en onde. Parfait, est-ce qu'on commence tout de suite? 19h. Monsieur Collin, c'est correct, je peux démarrer? Absolument. Parfait. Alors, bonjour, chers collègues, mesdames, messieurs, chers citoyens de Montréal-Nord. Bonsoir et bienvenue à notre troisième séance du Conseil d'arrondissement à distance et sans public. Avant de débuter, tel qu'il est d'usage lors de ces séances, nous allons prendre une minute de silence. Ce soir, mes collègues élus de Montréal-Nord et moi-même souhaitons dédier cette minute de silence à M. George Floyd, décédé tragiquement le 25 mai dernier suite à une intervention policière à Minneapolis. Ce drame malheureux interpelle le monde entier. Les images sont percutantes et choquantes. Rappelons-nous que nous sommes tous responsables de créer un monde plus juste, équitable et inclusif où tout le monde a les mêmes opportunités, peu importe leur origine, leur religion, leurs orientations. Bref, peu importe qui ils sont. Ne pas être raciste, c'est aussi agir contre le racisme. Je nous invite donc à prendre une minute de silence et à garder ces derniers éléments dans notre esprit pour la prochaine minute. Merci à tous. Je vais présenter les élus qui sont présents ce soir. Donc, tout d'abord, Mme Chantal Rossi, conseillère de la ville du district Ovide-Clermont. Bonsoir. Mme Renée-Chantal Bélinga, conseillère d'arrondissement du district Ovide-Clermont. Bonsoir. Monsieur Abdelak Sari, conseiller du district Marie-Clarac. Bonsoir. Monsieur Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac. Bonsoir. Également, il y a les personnes du cabinet. Alors, M. François Purcell, directeur de cabinet. Bonsoir. M. Alain-David Jean-Noël, chargé de secrétariat. Bonsoir. Anna Miezarek, chargée de secrétariat. Bonsoir tout le monde. Également, le personnel administratif, Mme Marie-Marthe Papineau, secrétaire d'arrondissement. Bonsoir à tous. Mme Anne-Sophie Bergeron, agente de recherche. Bonsoir. Madame Rachel Laperrière, directrice d'arrondissement. Bonsoir. Madame Claire Vassard, directrice de la performance du greffe et des services administratifs. Bonsoir. Monsieur Gilbert Bédard, directeur des travaux publics. Bonsoir tout le monde. Monsieur Claudel Toussaint, directeur de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. Bonsoir. Monsieur Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain des services aux entreprises. Bonsoir. Monsieur Daniel Bussière, chef de division relations avec les citoyens et communication. Il doit être quelque part. Alors, sinon, du PDQ 39, Monsieur Patrick Lavallée, inspecteur du poste de quartier 39. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir. Alors, c'est ce qui fait le tour. Donc, j'appelle maintenant le point 10.01. Oui, si vous le permettez, Madame la mairesse, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour de ce soir. Oui. Alors, Monsieur Sari, je Juste, vous en... juste activer mon micro, désolé. Oui, Alors, allez-y. merci. J'aimerais juste ajouter un point à l'ordre du jour, une résolution que j'aimerais déposer qui va être appuyée par ma collègue, Madame Chantal Rossi, conseillère de ville du district Ovide-Clermont. Parfait. Donc, Madame Bergeron, vous allez faire l'ajout? Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, ça me prendrait tout de même quelqu'un pour adopter l'ordre du jour avec la modification. J'adopte. Donc, c'est qui propose? Je propose. Vous proposez l'adoption de l'ordre du jour et de qui l'ordre du appuie? Jour. Je vais l'appuyer. Parfait. Donc, Mme Bélinga propose, Mme Rossi appuie. Alors, donc, on va passer maintenant au point 10.03, qui est le mot de la mairesse et des élus. Alors, avant de débuter la lecture et l'adoption des articles qui sont à l'ordre du jour, permettez-moi de prendre quelques minutes pour faire le point sur deux choses.
Premièrement, les actions qui sont menées dans l'arrondissement pour offrir à nos citoyennes et citoyens les meilleures conditions possibles pour assurer leur sécurité et leur bien-être en cette période de crise. Et l'état de situation en ce qui a trait à la reprise des activités en vue de la saison estivale. En ce qui a trait aux actions qui sont menées dans l'arrondissement, j'estime que c'est tout Montréal-Nord qui démontre une fois de plus son incroyable capacité à travailler ensemble pour prendre soin de la collectivité et des individus qui la composent. À ce jour, nous avons plusieurs cellules d'urgence qui se sont constituées pour organiser l'action sur le terrain, comme par exemple une cellule de soutien communautaire locale qui a pour mandat de coordonner l'ensemble de l'aide alimentaire et psychosociale sur le territoire, une cellule d'urgence sur le développement économique qui veille à soutenir les entreprises et les travailleurs, une cellule de travail collaborative avec la Direction régionale de la santé publique, le CIUS du nord de l'île, la table de quartier et des fondations, dont Centraide et des fondations philanthropiques canadiennes. Cette cellule élabore un plan d'intervention concerté à court et à moyen terme pour l'arrondissement. La table paix sécurité spéciale COVID, qui a pour mandat de partager l'information sur les enjeux locaux dans la pandémie et de coordonner les efforts des différents partenaires. Une cellule d'intervention du secteur nord-est, qui a pour mandat de faire le point sur le vécu des citoyens de ce secteur en période de COVID et d'identifier des pistes d'intervention adaptées à la situation. Une cellule d'urgence en habitation qui traite notamment de la sécurité des logements et de toute la problématique du déménagement du 1er juillet. Une cellule de travail sur le retour à l'école et sur l'accessibilité numérique, qui travaille entre autres avec les commissions scolaires pour que nos jeunes aient accès à la formation donnée à distance par les professeurs. Et enfin, une cellule sur le déploiement de corridors sanitaires qui a notamment coordonné jusqu'ici l'implantation de 7 km de voies sécurisées en collaboration avec la cellule du Nord-Est. Grâce à l'action concertée des organismes et des institutions qui siègent sur ces cellules de travail, nous avons tous ensemble, par exemple, distribué plus de 70 000 masques réutilisables et jetables aux citoyennes et citoyens, puis il y en a plus de 100 000 autres qui vont être distribués sous peu. Nous avons également distribué des visières, des gants et autres produits sanitaires aux employés et bénévoles des organismes de l'arrondissement. On a distribué plus de 5 400 repas et 3 350 paniers d'aide alimentaire à des familles qui en avaient besoin. Nous avons relancé le dépistage depuis le 4 mai, c'est plus de 5 000 personnes qui se sont fait diagnostiquer lors des 12 journées de clinique mobile et à la clinique du CLSC. D'ailleurs, ceux qui désirent peuvent passer faire des tests demain et mercredi à la clinique mobile installée devant la Maison culturelle et communautaire sur le boulevard Roland. On a également fait l'affichage en plus de 850 immeubles multilogements et envoyé de l'information à plus de 1200 propriétaires de ces immeubles. On a effectué plus de 3000 appels de contact et de courtoisie auprès de nos aînés pour leur offrir du réconfort et du soutien en ces temps de grande solitude. En vue de la réouverture des commerces, nous avons envoyé des trousses sanitaires économiques à 600 commerces, envoyé des trousses sanitaires papier avec affiches, listes de vérification, fiches ressources à 170 commerces, et nous avons implanté des corridors sanitaires sur les rues commerciales locales, dont Fleury, Charleroi, Moncelet et Damiens. En ce qui a trait à l'économie, on va dévoiler d'ici quelques jours un plan de relance qui a été élaboré par les principaux partenaires de l'arrondissement. Tout cela n'est qu'une partie des actions qui ont été menées et qui continuent d'être menées dans l'arrondissement. Nous nous sommes mis en action depuis le tout début de la pandémie. Nous connaissons bien notre population et les enjeux socio-économiques de notre territoire. Nous savions depuis le jour 1 de la pandémie ce que la COVID-19 pouvait avoir comme effet sur nos citoyens. Dans ce contexte, nous n'avons pas tardé à nous regrouper et à nous concerter pour mettre en place les mesures d'aide à la population qui s'imposaient. Comme je l'ai mentionné d'entrée de jeu, elles n'ont pas été réalisées seulement par l'arrondissement. Elles sont plutôt le fruit du travail de dizaines et dizaines d'organismes et de centaines d'employés et de bénévoles qui ont à cœur le bien-être collectif. Permettez-moi de profiter de cette tribune pour remercier plusieurs de ces organismes et personnes. D'abord, un énorme merci à la table de quartier de Montréal-Nord, dirigée par Steve Boussiki avec toute son équipe. Depuis le début de la pandémie, la table de quartier et ses membres jouent un rôle central dans la coordination des actions à travers la réception des besoins, la diffusion d'informations et la mise en place de solutions avec le soutien de l'arrondissement du CIUS Nord de l'île, du PDQ 39 et des tables de concertation jeunesse et petite enfance famille, et bien entendu tous les organismes qui les composent.
Elle a notamment établi un centre de soutien aux opérations communautaires sur le boulevard Léger, construit avec des organismes du milieu des projets à soumettre à des programmes de financement d'urgence COVID-19. Gérer le fonds d'aide local Desjardins arrondissement aux personnes vulnérables de Montréal-Nord, participer aux cellules d'aide alimentaire et d'intervention du Nord-Est et à la cellule du plan d'intervention collaboratif COVID-19, était présente dans les médias pour faire valoir les enjeux structurels liés aux inégalités sociales et aux besoins d'investissement massifs de l'arrondissement. Aujourd'hui, nous voulons remercier la table en notre nom, mais aussi au nom de nos citoyens. Le travail qu'elle accomplit est non seulement remarquable, mais il est surtout essentiel. Un très grand merci également à Brunet d'Arrèes et aux Fourchettes de l'Espoir. On sait que cet organisme coordonne l'ensemble de l'aide alimentaire sur le territoire, ce qui n'est vraiment pas une mince tâche. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes également qui distribuent également avec Brunilda des denrées de chacun de leur côté, que ce soit là, j'ai un blanc, là, le Carrefour des retraités, Épisol, donc il y en a plusieurs autres là, qui font un travail vraiment extraordinaire pour pouvoir permettre, Mission Bon Accueil aussi, voilà, pour permettre aux citoyens d'avoir accès à de la nourriture pour pouvoir nourrir leur famille. Également, je tiens à remercier le Centre d'action bénévole sous la direction d'Isabelle Desrochers. Donc, depuis le début de la crise, le CAB a recruté et fourni des centaines de bénévoles aux organismes. Il a en plus fait preuve d'une très grande créativité dans la mise en place de nouveaux services, comme par exemple les appels aux aînés, les appels de sensibilisation au dépistage, le service de bénévoles qui font l'épicerie et la livraison aux aînés afin de diminuer le temps d'attente. Tous nos remerciements également à tout le groupe, donc le Centre des jeunes escales avec Sophie Lacaire, à Oudstock, coordonné par Cassandra Exumé, Parole d'excuse coordonnée par Boshra Manaï et à Un itinéraire pour tous, dirigé par Ousenou Ndiaye. Ces organismes ont effectué un travail essentiel en déployant sur le territoire des équipes pour sensibiliser les jeunes au danger des regroupements et du non-respect de la règle du 2 mètres. Ces équipes ont aussi distribué des masques de protection aux citoyens. Merci à la CEDTEC de Montréal-Nord, dirigée par Jean-François Gosselin. Cet organisme a coordonné et déployé toute une série d'actions pour soutenir et sensibiliser les commerçants de l'arrondissement. Et ça s'est fait d'ailleurs beaucoup avec la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, de même que PME Montréal-Est de l'île. Merci à la Fondation des médecins canado-haïtiens, présidée par Mme le Dr Yolande Charles. Et à l'Association médicale haïtienne à l'étranger, au ralliement des infirmières et infirmières auxiliaires haïtiens. Cet organisme a eu l'initiative de proposer à l'arrondissement un plan pour contribuer aux mesures de sensibilisation et de prévention. Ils ont aussi fait don de milliers de masques. Merci à la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et à Patrick Mercier, à Transcontinental, à GESCAP, à Groupe Lodi, à la médecin de famille Vic Nunok-Kanti, à Lumen Trust d'Anjou, ainsi qu'à la Caisse des Jardins du Sol Récollet de Montréal-Nord et Mme Jacinthe Sicotte. Ces entreprises et personnes ont généreusement donné argent et matériel pour nous aider à combattre les effets de la pandémie. Merci aux pharmacies Jean Coutu du boulevard Léger, de la rue Charles-Leroy, au Super C de la place Bourassa, à Éconor et au Centre des femmes interculturelles Claire. Ces entreprises et organismes ont généreusement contribué à la distribution massive de masques, surtout quand on était dans le pic de la crise. Merci finalement au CIUS du Nord de l'Île, à la Direction régionale de la santé publique pour avoir déployé davantage de cliniques de dépistage sur notre territoire. Et merci aux citoyens qui sont allés se faire tester. Les résultats de ces tests nous permettent de mieux coordonner nos actions et de mieux contrôler la propagation de la maladie sur notre territoire. D'ailleurs, vous avez sûrement eu connaissance des articles de journaux de la fin de la semaine passée qui nous annoncent que le nombre de cas est à la baisse. Donc, ça fait partie d'ailleurs des résultats qu'on a eus dernièrement de la santé publique. Et tout ça nous laisse croire que tous nos efforts portent fruit, enfin, et que la courbe est en train de ralentir à Montréal-Nord. Mais néanmoins, comme je le dis depuis quelques jours, il ne faut pas baisser la garde. Il faut vraiment demeurer très prudent parce qu'on sait que le virus est toujours parmi nous. Il faut continuer à faire attention. En ce qui a trait maintenant à la reprise des activités de l'arrondissement, voici où nous en sommes. Au cours des derniers jours, nous avons rouvert les jardins communautaires, les terrains de tennis, les aires d'exercice canin, les terrains de bocce et les jeux d'eau ont été ouverts la semaine dernière durant la canicule.
Nous avons aussi repris le nettoyage des rues résidentielles et nous avons organisé deux distributions de fleurs et de végétaux aux citoyennes et aux citoyens. Une qui s'est faite à la mairie, donc à l'Aréna Garon, derrière l'Aréna, et l'autre dans l'Aréna Roland. Et d'ailleurs, ce fut un vif succès. Les citoyens étaient au rendez-vous et ça a amené un peu une bouffée d'air frais pour tout le monde d'avoir accès à ces végétaux et à ces fleurs. En ce qui concerne le nettoyage de l'arrondissement, je sais que plusieurs citoyens se posent des questions ou manifestent de l'insatisfaction. On le sait. Et puis, on a plusieurs questions d'ailleurs ce soir qui sont dans ces sujets et on en est très, très conscients. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'en raison de la COVID, on n'a pas pu commencer le ménage du printemps avant le début du mois de mai. Habituellement, on commence beaucoup plus tôt quand la neige fond. Et là, c'est sûr que cette année, avec les mesures, on ne pouvait pas déployer nos équipes. Il faut savoir que d'habitude, là, ce ménage dure à peu près 6 semaines. Il reste donc encore au moins 2 semaines avant de retrouver notre rythme normal. De plus, nous fonctionnons avec des effectifs de col bleu réduits à cause de la mise en place de mesures d'urgence durant lesquelles, en avril et au début mai, seuls les employés des services essentiels, tels que ceux requis pour les bris d'aqueduc et d'égout, pouvaient être rappelés. Certains cols bleus sont toujours affectés aux opérations d'urgence d'aide alimentaire pour nos citoyens. Ils accomplissent bien d'autres tâches reliées aux mesures d'urgence, installant par exemple des corridors de circulation sanitaire dans le nord-est ou des centaines d'affiches de la santé publique partout dans l'arrondissement. Il est donc normal que certaines opérations de nettoyage soient retardées sur certaines rues. On fait vraiment tout ce qui est en notre possible pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse passer à travers l'arrondissement le plus rapidement possible dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais il faut savoir, pour la reprise de chacune de ces activités ou pour chacune des activités à venir, nous devons attendre l'autorisation de la Direction de la santé publique et de la Ville de Montréal avant de procéder. À Montréal-Nord, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, préparation des ressources humaines, mise en place de nouveaux protocoles, avis de préventionniste, installation d'équipements spéciaux pour être prêts à opérer aussitôt que nous avons ces autorisations. Et je tiens à le dire ce soir, chaque activité en ce moment qu'on a l'autorisation d'ouvrir ou qu'on décide de mettre en place nécessite vraiment énormément de travail de la part de toutes nos équipes parce que, contrairement au passé, et j'ai donné beaucoup l'exemple de la distribution de fleurs, où habituellement, d'année en année, on reproduit sensiblement les mêmes choses. Donc, on ajuste, on fait quelques ajustements. Actuellement, pour la majorité des activités, il faut pratiquement tout revoir parce qu'il faut respecter le 2 mètres, parce qu'il faut protéger nos employés, parce qu'il faut mettre des stations de nettoyage des mains, etc. Donc, vraiment, ça nous demande énormément d'ajustements et de souplesse à tout le monde. Alors, vraiment, dans ce contexte-là, on demande la collaboration et la compréhension des citoyens. Sachez que nos équipes travaillent très, très fort à ce niveau-là. Au cours des prochaines semaines, on compte aussi, entre autres, ouvrir partiellement les piscines et les pataugeoires extérieures, ouvrir graduellement les services de bibliothèque, ouvrir les toilettes publiques, débuter les activités estivales d'animation dans les parcs. On travaille aussi avec l'organisme Fourchette de l'Espoir pour réussir à offrir des services de camp de jour à un maximum de familles de Montréal-Nord. À ce sujet, je dois vous dire qu'on a vraiment de très, très gros enjeux, notamment ce qui a trait au recrutement d'animateurs, aux règles sanitaires à observer, à la programmation d'activités et aussi à la disponibilité de locaux sécuritaires. On a de gros défis, mais en même temps, sachez que nos équipes y travaillent très, très fort pour pouvoir s'assurer de vous offrir ce service. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a eu certaines nouvelles qui semblent être très positives, entre autres au niveau du financement des camps de jour. Et j'ai confiance qu'on va y arriver à offrir ces services. Un mot finalement sur le budget de l'arrondissement. Cette pandémie, bien entendu, a eu des effets très négatifs sur les finances publiques. Elle a généré plusieurs dépenses extraordinaires. On n'a qu'à penser à l'achat des masques et d'équipements de protection individuelle. Elle va générer d'autres dépenses extraordinaires aussi parce que chaque activité, comme je le disais, que nous déployons coûte plus cher que d'habitude. Plus d'installations, plus d'encadrement, plus d'entretien, de mesures d'hygiène et de matériel pour le faire. En plus, la Ville de Montréal a coupé le budget de notre arrondissement de 1,3 million. On va donc avoir des choix difficiles à faire pour le reste de l'année. Et vous, les citoyens, bien, comme je le disais tantôt, on va vous demander de la compréhension et de la patience. Par exemple, on va tout faire pour maintenir les services liés à la propreté, mais on va peut-être devoir couper sur l'entretien des pelouses et abandonner pour cette année la plantation de fleurs. Plusieurs projets de développement devront aussi être reportés dans le temps. Dans ce contexte, on fait tout ce que nous pouvons pour vous offrir la meilleure qualité de service possible
et surtout, en fait, dans le contexte actuel, de vous assurer d'avoir un minimum d'activités pour la saison estivale. On le sait, plusieurs vont demeurer à Montréal-Nord et n'iront pas à l'extérieur. Alors, on met vraiment tout en place pour vous offrir des activités qui seront possibles, hein, parce qu'actuellement, il y a certaines activités qui, malheureusement, ne peuvent pas se déployer. Alors, nos équipes sont très créatives, très résilientes et je suis persuadée qu'ils vont nous arriver avec de très belles programmations. De même que nos organismes communautaires qui, de leur part également, sont en train de réfléchir à tous ces changements et à toutes les possibilités en fait, qu'ils peuvent vous offrir. Voilà pour ce qui est des actions déployées dans l'arrondissement pour répondre à la crise et pour la reprise des activités. Merci de continuer de respecter la distanciation dans les endroits publics. Donc, 2 mètres, respecter le 2 mètres, pas de regroupement de plus de 10 personnes, de 3 familles. Merci aussi de porter le masque et le couvre-visage lors de vos sorties dans les commerces et partout où vous ne pouvez respecter la distanciation de 2 mètres. Et à ce sujet-là, je tiens vraiment à saluer le travail et la collaboration de tous les Nord-Montréalais, parce que pour m'être promenée un peu dans Montréal dernièrement et sur la Rive-Sud également, les Nord-Montréalais portent le masque et ils se protègent, ils protègent les autres. Alors vraiment, je les salue et je les remercie pour leur collaboration et je vous dis en fait qu'ensemble, on va y arriver. J'inviterai maintenant Mme Rossi à prendre la parole. Merci, Mme la mairesse. Je tenais à prendre la parole pour parler un peu au nom de mes collègues, votre nom, pour souligner, pour dire aux familles de nos citoyens, de nos concitoyens qui ont malheureusement perdu la vie à cause du COVID, que vous offrir toutes et tous nos condoléances les plus sincères, nos pensées, nos prières vous accompagnent. Alors, on voulait vous dire qu'on est de tout cœur avec vous, malgré qu'un peu impuissant dans ces cas-là, mais sachez que nous sommes de tout cœur avec vous. Je voulais aussi annoncer une belle nouvelle parce que Mme Black le disait précédemment que les terrains de tennis étaient pour ouvrir incessamment. Ce que je veux vous annoncer, ce que je vous annonce en fait, c'est que durant la tournée qu'on fait des festivités de Noël, plusieurs clubs m'ont demandé. Chantal, ça serait le fun d'avoir du pickleball à Montréal-Nord. En fait, on en avait au centre de loisirs, mais les gens demandaient d'en avoir à l'extérieur, sur les terrains extérieurs, ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Alors, après discussion, on vous a entendu et on vous écoute et vous aurez incessamment 4 terrains de pickleball, c'est-à-dire 2 dans l'Est au parc Carignan et 2 dans l'Ouest au parc Ottawa. Alors, aussitôt que les terrains de tennis seront aménagés, c'est bien entendu, c'est le même principe que les mêmes consignes que pour le tennis, c'est des parties simples, les parties doubles ne sont pas autorisées à cause de la distanciation physique. Alors, vous aurez droit à des parties simples, mais ça avance. C'est une belle nouvelle parce que ça m'avait été beaucoup demandé d'avoir du pickleball à Montréal-Nord. Alors, c'est un petit peu ce que je voulais vous annoncer. Également, écoutez, j'aurais voulu pouvoir vous annoncer les dates officielles du Festival des arts virtuels, mais on est à peaufiner les dernières négociations au niveau de la plateforme virtuelle. Alors, incessamment, on devrait être en mesure de vous donner des dates précises avec des sites via quel site et quel chemin prendre virtuel pour vous rendre aux présentations qui seront faites du Festival des arts. Alors, sur ce, bien, bon conseil à tous. Merci beaucoup, Mme Rossi. Je vais maintenant céder la parole à M. Poirier. Merci, Mme la mairesse. Moi, j'aimerais remercier la cellule de développement économique, tout spécialement remercier les membres et partenaires de notre équipe qui ont pris part au plan de relance économique. Donc, j'aimerais dire un gros merci à Mme
Madame la directrice de PME de l'Est, Madame Annie Bourgoin, et toute son équipe, ainsi qu'à Monsieur Jean-François Gosselin, directeur général de la CEDEC de Montréal-Nord et ses collègues, de la directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Montréal-Nord, Madame Nouché Guéloyan, et toute son équipe, et de chez nous, j'aimerais dire un gros merci à Jérôme Vaillancourt, directeur de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, ainsi qu'à M. Charles Morisset, commissaire au développement économique et de l'arrondissement. Encore une fois, je réitère mon remerciement au groupe de travail. Merci, Mme la ministre. Parfait, excellent. Merci beaucoup, M. Poirier. Je vais maintenant céder la parole à M. Sarri. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Pour continuer un peu sur l'élan de vos remerciements pour l'ensemble des agences ou des organismes ou des entreprises qui nous ont soutenus et qui ont soutenu l'ensemble de la population, j'aimerais aussi remercier l'Agence de développement durable de Montréal Centre Nord qui ont supporté quatre organismes de Montréal Nord et qui ont distribué des masques, ainsi que d'autres entreprises que je ne peux nommer ici qui ont donné aussi des masques. Ceci dit, je prends la parole aujourd'hui puis je suis très, très content de souligner la fête des pères qui aura lieu ce mois-ci et puis souhaiter à tous les papas, dont je suis moi-même un papa, une bonne fête des pères puis plein d'amour surtout dans cette période. Et on sait ce que les parents en général, maman et papa, vivent dans ces circonstances, notamment avec des enfants confinés avec eux à la maison. Alors, on leur dit, on est de tout cœur avec vous, puis c'est le moment de les fêter, ces papas-là. Puis je tiens à souligner, à féliciter mon cher ami, mon collègue aussi, M. Jean-Marc Poirier, qui est à la fois papa et grand-papa. Alors, on lui dit félicitations dans ce conseil. Alors, voilà, Mme la mairesse, pour ce qui concerne la résolution, je vais attendre le point quand il va arriver, je vais la lire. Merci. Tout à fait, je demanderai tantôt, on va y revenir de toute façon. Donc, merci, M. Sarri. Madame Bélinga, je vais vous inviter à prendre la parole. Merci, Madame la mairesse. Vous m'entendez bien? Oui, absolument. Très bien. Alors, je joins donc, bien sûr, mes remerciements à l'ensemble de mes collègues au niveau de la table de quartier, de tous les organismes qui contribuent de façon vraiment extraordinaire à la crise actuelle, aux intervenants, également à nos équipes. Mais vous comprendrez que le point que je vais aborder aujourd'hui est un point très difficile, un point difficile pour les communautés noires vis-à-vis des événements des derniers jours. Donc, au cours des derniers jours, de nombreux Canadiens et Québécois ont été choqués par la violence et la brutalité policière qui ont coûté la vie à George Floyd aux États-Unis. Des milliers de manifestants ont participé ce dimanche à une marche pacifique pour dénoncer cet acte ignoble qui bouleverse et révolte les Montréalais et le monde. Malheureusement, depuis de nombreuses années, de nombreuses situations de profilage racial et de brutalité policière sont également dénoncées à Montréal, Repentigny, Laval, Toronto, Ottawa, au Québec et au Canada. Depuis mon entrée en fonction à titre de conseillère municipale de Montréal-Nord, j'ai reçu des dizaines de témoignages de mamans, de citoyens, d'intervenants dénonçant des pratiques injustifiables et condamnables commises par certains policiers. Force est de constater que pour les membres des communautés noires, le rapport paru il y a quelques mois des chercheurs Assaoui, Harmony et Maloney faisant état de 4,6% plus de chances d'interpellation policière pour une personne noire et 11 fois plus de chances d'interpellation policière pour une personne autochtone, les femmes en particulier, ne provoquent pas de grandes surprises puisque ces situations sont dénoncées depuis de nombreuses années par la société civile et par les familles des victimes. Depuis plusieurs mois, à titre d'élue indépendante, en coalition avec le conseiller Marvin Rotran, des représentants de groupes de la société civile, nous réclamons des mesures drastiques pour que cesse tout geste injustifiable et condamnable de profilage racial et que cesse des gestes de brutalité policière auprès de nos citoyens. Parmi ces mesures, il y a entre autres le port de caméras corporelles par les effectifs de la police, demandé par mon collègue Abdelak Sari et l'opposition officielle Ensemble Montréal, l'arrêt immédiat
des interpellations aléatoires et contrôles de routine policière. La collecte de données relatives à la race, qui est un volet important de toute stratégie exhaustive de réduction du profilage racial. Une politique du SPVM contre le profilage racial s'appuyant sur les constats et les recommandations de la société civile. En juin 2020, rien n'est encore mis en place. Nos jeunes et nos citoyens et citoyennes continuent de se faire profiler. Nous, membres des communautés noires, autochtones, arabes, nous avons le droit d'être traités de manière juste et équitable. Il est plus que temps que tous les Québécois et Québécoises, tous les Montréalais et Montréalaises, affectés ou non par ces enjeux, se lèvent et s'unissent contre toute pratique discriminatoire, abusive, violente et qu'ils les dénoncent. La vie de George Floyd comptait. La vie de Freddy Villanueva comptait. La vie de Bonnie Jean-Pierre comptait. La vie de toutes les victimes de brutalité policière comptait. Aujourd'hui, il est plus que temps que le SPVM travaille à la tolérance zéro en matière de profilage racial et de brutalité policière. Il est de son devoir et de sa responsabilité de rétablir confiance et justice dans le traitement des citoyens noirs, racisés et autochtones ici, chez nous, à Montréal. Merci, Madame la mairesse. Merci, Madame Bellinga. Donc, avant de poursuivre, je vais simplement demander, avant qu'on arrive au 10.03, période de questions du public, Madame Papineau ou Madame Bergeron, j'aimerais savoir la motion qui a été déposée en début et adoptée. Vous l'avez mis à quel point de l'ordre du jour? Moi, je suggère qu'on le mette avant la section 20. Donc, on pourrait faire la section 10, puis il y aurait le point par la suite qui serait le dans numéro les... numéro serait? Ce serait probablement 12.01. Dépôt. Parce qu'en fait, notre souhait, c'est que cette résolution soit transmise au conseil municipal. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Excellent. Voilà, c'est sûr que pour les personnes qui nous écoutent, bien entendu, c'est toujours un peu de travail d'organiser notre conseil à distance. Alors vraiment, je tiens à remercier toutes nos équipes qui aujourd'hui ont dû se déployer pour pouvoir organiser cette rencontre. Et d'ailleurs, on me disait que le streaming, donc la rediffusion sur notre site Internet n'était pas fonctionnelle en début de conseil. Donc, soyez assurés qu'on va, en fait, M. Collin, est-ce que vous pouvez nous assurer que le tout va être sur le web en rediffusion pour ceux qui ont pu manquer le début? Oui, absolument. On fait des tests. Là. Normalement, ça fonctionne, mais il y a effectivement eu quelques petites coupures. Mais ça va être en ligne. Ça devrait être correct jusqu'à la fin, puis ça va être en ligne par la suite. Excellent. Donc, par la suite, dans le fond, vous allez faire l'ajustement pour que le début soit fonctionnel sur notre site. Absolument. Parfait, excellent. Donc, on s'en excuse. C'est ça, comme je le dis, c'est des ajustements de tout instant pour s'assurer que tout fonctionne bien. Alors, on arrive maintenant au point 10.03, qui est la période de questions du public. Alors, étant donné que le conseil se déroule à distance et sans public, les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par courriel et au téléphone. Nous vous remercions d'avoir utilisé exceptionnellement ces deux voies pour le faire. Je tiens à rappeler que les règles restent les mêmes et que la durée de la période de questions est de 30 minutes, qui peut être allongée par bloc de 15 minutes. Nous avons reçu ce soir 13 questions. Alors, je vais nommer la personne le nom de la personne, en fait, qui vient. En fait, c'est ça. Donc, je vais nommer le nom de la personne qui a envoyé sa question, nommer la question. Pour plusieurs d'entre elles, je serai la personne qui pourra répondre, mais également mes collègues pourront le faire tout dépendamment des dossiers. Alors, donc, j'ai fait une nouvelle tentative avec mon iPad ce soir parce qu'on me disait que vous me voyiez de côté la dernière fois. Donc, on commence d'abord avec la première question, qui est une question de Mme Jocelyne Hamel, donc, qui nous écrit ceci.
au niveau du nettoyage de rue. Le 26 mai, j'ai fait part au 3-1 de l'absence de service de nettoyage de rue du secteur par le balai mécanique, et ça depuis 3 semaines, avec le numéro de la requête. La raison évoquée du COVID m'apparaît bien facile. Les contraventions en égard au stationnement sont-elles bien émises? L'an passé, le nettoyage se faisait de façon très aléatoire au bon vouloir de l'employé. Elle avait également une deuxième question. Si vous permettez, je vais répondre d'abord à la première. Alors, donc, on a d'ailleurs 2 autres questions qui sont en lien avec cet élément. Donc, le nettoyage printanier est retardé et se poursuit jusqu'à environ le 15 juin. J'en parlais d'entrée de jeu dans le mot de départ. Il y a également beaucoup d'entraves par le stationnement des véhicules qui a nuit aussi au nettoyage des rues. Alors, on est vraiment dans un contexte l'œuf ou la poule. Là. Donc, je sais que ça a été difficile pour les citoyens en début mai de déplacer leur voiture parce qu'officiellement, le nettoyage des rues débutait le 1er mai. Et on a eu quelques semaines, quelques jours, en fait, de grâce là, où il n'y a pas eu d'intervention, de contravention, en fait. Et par contre, à un moment donné, il faut quand même qu'on passe pour nettoyer. Hein? Donc, c'est vraiment le défi est là. Et quand le printemps arrive, surtout qu'on avait pris un peu de retard à cause qu'on n'avait pas l'autorisation de commencer le nettoyage, ça devenait encore plus important. Alors, on a communiqué d'ailleurs avec l'Agence de mobilité de Montréal, c'est eux en fait qui sont les responsables de l'émission des constats d'infraction reliés au stationnement d'interdit selon la signalisation affichée. On est présentement en attente du suivi de leur part, dans le fond, pour savoir ce qu'il y en est par rapport aux infractions, comment ça se déroule et tout ça. Donc, le topo devrait être disponible sous peu pour nous. Mais sachez que, en fait, selon les informations qu'on possède, depuis environ la mi-mai, en principe, il y a des contraventions qui sont données, la perte de grâce est passée. Donc, on invite vraiment tous les citoyens à collaborer, à faire en sorte qu'ils déplacent leur voiture lorsque le balai mécanique doit passer pour faciliter le travail de nos équipes. La deuxième question de Mme Hamel, c'est concernant le boulevard Gouin. Alors, dans les arrondissements Hunsic et Rivière-des-Prairies, le marquage au sol de la piste cyclable sur le boulevard Gouin a été réalisé et assure la sécurité. Dans le secteur Montréal-Nord, le marquage n'a pas été fait. Les voitures empiètent dangereusement la piste cyclable. Les limites ne sont plus visibles. Ce corridor est très utilisé depuis près d'un mois et vraiment non sécuritaire. Ils sont où les poteaux balises de l'an passé? Pourquoi Montréal-Nord retarde? Parce qu'un grand plan cyclable de l'arrondissement ne peut gérer sa portion. Allons-nous passer un été où tous les services seront réduits? Elle a le dos bien large, cette COVID. Alors, concernant le boulevard Gouin, en fait, les installations de Montréal-Nord sont complètement modifiées en fonction de l'implantation prochaine des voies actives et sécuritaires, les VAS, de la ville de Montréal. Un des axes empruntera Christophe Colomb sur sa longueur jusqu'à Gouin et Gouin d'est en ouest sur une grande partie de l'artère. L'implantation de cette VAS débutera le 15 juin dans Montréal-Nord. Dans ces circonstances, et puisque ces corridors sont déployés par la Ville de Montréal, l'arrondissement est un partenaire technique, mais ce sont des entreprises privées sous mandat de la Ville qui installeront l'ensemble du mobilier de sécurité. Nous rétablissons le service de l'arrondissement le plus rapidement possible à partir des directives imposées par la Direction de la santé publique et la Ville de Montréal. On sait que notre arrondissement est très touché, a été en fait très touché, il l'est toujours par la pandémie. Alors, vous comprendrez qu'on applique ces recommandations à la lettre. Et il est donc fort probable, malheureusement, que notre offre de service ne soit pas la même que les dernières années en ce qui concerne les activités de l'arrondissement. Donc, malheureusement, la COVID, oui, aura des impacts certainement sur l'offre aux citoyens. Par contre, en ce qui concerne le boulevard Gouin, je pense qu'il y a d'autres questions également sur ce sujet. Sachez que j'ai pu constater moi-même des problématiques en lien avec la conjugaison, si je peux dire ça comme ça, entre les cyclistes, les piétons, les automobilistes sur le boulevard Gouin. On sait que tous souhaitent pouvoir respecter le 2 mètres et qu'il y avait en fait des défis importants qui sont rattachés dans le fond à l'étroitesse hein, de la piste cyclable. Donc, c'est dans ce contexte-là que les VAS vont voir le jour dans les prochaines semaines. Il y a encore des détails techniques auxquels nos équipes travaillent et le tout va être en déploiement prochainement. Alors, j'arrive maintenant à la deuxième question, donc qui est de Jean-François Gagné et qui m'écrit ceci.
Je suis Jean-François Gagné, citoyen de Montréal-Nord et organisateur du projet Trottibus à l'école Sainte-Gertrude. J'aimerais premièrement vous remercier de transformer le boulevard Gouin en sens unique cet été. J'ai bien hâte de voir les résultats et d'y aller avec mes enfants. Alors voici mes deux questions. Je me propose comme bénévole pour organiser plusieurs activités de formation de cyclistes, enfants et ou adultes cet été pour faire profiter de cette piste à des nouveaux utilisateurs. Cela pourrait être en collaboration avec les camps de jour ainsi qu'avec Vélo Québec, cycliste averti, que j'ai déjà contacté. Est-ce un projet envisageable? Qui contacta l'arrondissement pour construire un tel projet? Alors, je vous dirais que c'est une excellente initiative et d'ailleurs, on vous remercie pour la suggestion. Par contre, je vous dirais qu'au niveau de cette initiative, il faudrait surtout qu'elle soit portée, mise en œuvre par un organisme du milieu. Nos services, en fait, l'aménagement urbain, va pouvoir vous contacter pour pouvoir vous accompagner et vous permettre, en fait, de vous accompagner pour pouvoir voir, en fait, que ce projet puisse évoluer. Ensuite, il y avait une deuxième question, M. Gagné. Donc, dans le souci de favoriser les transports actifs pour les écoles de Montréal-Nord ainsi que favoriser la distanciation physique, j'aimerais suggérer à l'arrondissement des aménagements. J'ai soumis à l'école Sainte-Gertrude un projet de corridor sanitaire. L'arrondissement avait choisi une autre option que je considérais moins appropriée aux besoins actuels. Comment s'assurer que les aménagements autour des écoles soient sécuritaires et favorisent les moyens de transport actifs? Qui contacter pour suggérer ces aménagements? Alors, donnez-moi juste un instant. Donc, ce plan avait été étudié, en fait, par la... Moi, ce qu'on me dit, c'est ça, c'est que le plan avait été étudié par la direction de l'école, mais qui ne correspondait pas tout à fait aux besoins et générait des impacts majeurs en matière, surtout des services d'urgence. Ça, c'est vraiment des éléments importants pour nous. Alors, l'ensemble des corridors sanitaires des écoles vont être révisés avec les équipes de direction et la CSPI pour la rentrée en fonction des directives gouvernementales et des élèves qui seront présents, donc pour la rentrée de septembre en 2020. De plus, l'arrondissement a l'intention de valider les corridors scolaires avec les directions scolaires pour rendre les directions des écoles, en fait, pour rendre sécuritaires les déplacements piétonniers. Donc, on a vraiment ces soucis, en fait, de s'assurer surtout de la sécurité avec les équipements d'urgence, que ce soit les ambulances, les pompiers, également s'assurer que ce soit tout en cohérence pour les élèves, la direction d'école et en même temps, de notre côté, que ça respecte certaines mesures. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Et comme je vous ai dit à votre première question, nos équipes vont vous contacter de toute façon pour votre première question. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir échanger avec eux également sur cet élément-là. Et je suis convaincue que ça va leur faire plaisir de pouvoir vous répondre. Ensuite, on a une troisième question qui est de Aziz Kamil. Alors, la question est la suivante. Pourquoi nous, les citoyens, habitant nos rues respectives, devons changer par sens du respect des consignes, nos voitures de côté de rue à nettoyer et les résidents des autres rues aux alentours viennent stationner sur nos rues durant l'interdiction de stationner et qu'il n'y a aucune contravention d'émise à ceux-ci depuis le 1er mai? De plus, j'ai personnellement vu la voiture de stationnement à Montréal passer et n'émettre aucun constat, n'émettre aucune contravention fautif. Est-ce qu'on a un passe-droit et je ne suis pas au courant? J'ai fait plainte au 3-1 puis au service de police sans aucun retour. Alors, à ce sujet-là, je vous dirais que nous, de notre côté, comme je le disais tantôt à l'autre point, on a communiqué avec l'Agence de mobilité de Montréal pour faire suite à cette demande. Donc, on a reçu les questions, pas juste aujourd'hui, en fait, ça fait quelques jours là, que les questions commencent à rentrer en vue du conseil. Alors, déjà, on a pris action, on a demandé un état de situation à l'Agence de mobilité. Mais par contre, je vous dirais que dans une certaine mesure, je l'ai dit tantôt, en début de mois de mai, il y avait une certaine période de grâce, une certaine tolérance qui était faite parce qu'on savait que les gens étaient très confinés à la maison et que ça pouvait être difficile. On se rappelle aussi qu'on était dans le pic pour Montréal-Nord, donc dans le haut de la vague. Donc, il y a eu une certaine tolérance, mais depuis la mi-mai, on resserre hein, parce que ça… Oh là là, je suis en train de faire mon laptop. Donc… pour vraiment s'assurer qu'on puisse pas nettoyer la rue, hein, parce que c'est toujours le dilemme. Il y avait des citoyens également qui nous contactaient en nous disant « on est confinés, pourquoi il faut tasser notre voiture? » Et de l'autre côté, on a des citoyens qui nous appellent pour nous dire « pourquoi vous nettoyez pas la rue? » Donc, on est vraiment dans cet équilibre-là, mais soyez assurés que depuis la mi-mai, de ce que moi, on m'a dit, et avec le suivi qu'on a demandé, on va avoir plus d'informations, que l'Agence de mobilité de Montréal doit repartir comme c'était le cas auparavant et redonner des contraventions si vous n'êtes pas stationné au bon endroit.
Alors, on va passer maintenant à la question numéro 4 qui nous arrive de Chantal Le Trottier. Alors, j'ai une question à vous soumettre pour votre prochain conseil d'arrondissement. Est-ce possible d'installer un dos d'âne sur l'avenue L'Archevêque, située entre boulevard Gouin et Henri Bourassa? Les automobilistes qui empruntent notre rue accélèrent, particulièrement lorsqu'ils arrivent en provenance du boulevard Gouin. Je ne sais pas si c'est le fait qu'ils arrivent d'une rue où la vitesse est à 30 km, mais c'est plutôt inquiétant. De plus, comme il y a un panneau sur le boulevard Gouin, les incitants à tourner sur notre rue pour aller prendre le boulevard Pie-Neuf, cela crée constamment de la circulation. Avec un dos d'âne, cela créerait un aménagement modérateur pour réduire la vitesse, en plus d'améliorer la sécurité routière et de créer un milieu de vie plus convivial. Aussi, un voisin m'a fait part qu'il avait un projet de rendre ce segment de rue sur l'Archevêque à sens unique. Est-ce réellement un projet qui est sur la table? Merci de considérer mes demandes et pour votre excellent travail. Je souhaiterais préciser que le dos d'âne pour l'avenue L'Archevêque serait entre boulevard Gouin et le boulevard Léger, qui est à deux sens en ce niveau. Alors, pour cette question, je vais la transmettre en fait à Mme Rossi, qui est la responsable des dossiers de travaux publics et de mobilité, qui va pouvoir répondre à Mme Trottier. Alors, merci Mme Trottier pour votre question. Écoutez, la proposition d'installer des dos d'âne sera inscrite au comité consultatif sur la mobilité. Tout le secteur dans ce coin-là présente une problématique en matière de sécurité de déplacement due au fait que le boulevard Léger est devenu un transit afin d'éviter les congestions du boulevard Henri Bourassa. Alors qu'elle ne peut soutenir que le volume d'une circulation pour un artère résidentiel. Des études ont été effectuées afin de mettre en place diverses mesures pour réduire ou régler le problème, dont la création de divers sens uniques, l'implantation d'intersections surélevées aussi. Mais je dois vous dire qu'avec la venue, pour cet été, avec la venue du corridor bleu sur Gouin et le sens unique qui va être sur Gouin, ça va venir changer probablement les effets des rues transversales pour cet été jusqu'à temps qu'on termine le corridor bleu, étant donné, comme je vous dis, que Gouin va être déjà sens unique. Ça va être difficile de prendre des décisions immédiatement sur des sens uniques, sur les rues transversales, où ça va changer du moins la donne, le fait que Gouin soit maintenant sens unique. Mais de toute évidence, votre dossier va être transmis, votre question, c'est-à-dire, va être transmis au comité de mobilité où on va pouvoir en discuter. Et on va vous revenir avec ça. Et au niveau de la vitesse, mais c'est certain que ça va être évalué aussi. On va recommencer à faire des comptages sur les rues, des évaluations de vitesse. Quand on parle de comptage, c'est quelque chose qui est un système qui est installé. Alors, on peut évaluer le nombre de véhicules, la vitesse moyenne, les heures de pointe ou il y a plus de vitesse s'il y en a. Parce que souvent, je vous dirais, moi-même, la première, c'est souvent des perceptions. Mais écoutez, on va faire les comptages. Les comptages vont être remis actifs. Là, on va retomber sur un certain rythme un petit peu plus normal, si on peut dire. Alors, on va reprendre les comptages. Ça va être remis l'Archevêque va être mis sur la liste des comptages. Et pour ce qui est des dos d'âne, bien, ça va être vu au comité consultatif de mobilité. Parfait. Donc, merci beaucoup, Mme Rossi. Avant de passer à la prochaine question, M. Lavallée, est-ce que c'est possible de mettre votre micro sur silence, s'il vous plaît, à moins que je vous demande de prendre la parole? Merci beaucoup. Donc, je poursuis maintenant avec la question numéro 5 qui est de Paul Champagne. Alors, à la séance du mois de mai, vous approuviez le projet de construction d'un immeuble de 10 étages sur le boulevard Pie-Neuf qui comporte des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Vous dites vouloir aider les petits commerçants et revitaliser les artères commerciales. Il y a déjà beaucoup de locaux vacants sur Pie-Neuf et les rues avoisinantes de Fleury à Charleroi et même au centre Forêt. Comment cela peut-il aider en ajoutant plus de locaux? Le guide de Montréal-Nord nous apprend aussi que la personne qui en fait la promotion est un ancien directeur de l'arrondissement, M. Chantal. Ne voyez-vous pas là un problème éthique? Alors, à ce sujet-là, M. Champagne, j'avais un élément de clarification à vous apporter parce qu'en fait, vous parlez dans votre document, dans votre question, en fait, de deux projets distincts. Alors, au dernier conseil d'arrondissement, le projet qu'on a adopté, donc c'était au coin de Larrain et de Pie-Neuf,
En fait, c'est la construction avec Apopex, donc c'est une construction. Et au premier étage, c'est une salle communautaire, donc ce n'est pas un espace commercial. Alors que le projet dont vous parlez de 10 étages, c'est le projet qui est, en fait, si je peux me permettre, aussi actuellement le terrain du Volkswagen. Et ce terrain-là, actuellement, c'est deux projets. Donc, ce n'est pas celui-là qui a été approuvé lors du dernier conseil, mais plutôt un autre. Donc, on sent qu'il y a quand même de l'action sur le boulevard P9. Et en fait, donc, c'est ça pour le projet qui a été adopté lors du dernier conseil. C'est M. Chantal n'est aucunement impliqué dans ce projet. En fait, il a été engagé surtout plutôt en fait comme lobbyiste par un promoteur immobilier qui cherche à développer un autre terrain. Donc, c'est l'autre terrain que je vous parlais. Aucun projet n'a été approuvé pour ce terrain d'ailleurs. Alors, vous l'avez vu dans les journaux, mais de notre côté, il n'y a rien d'approuvé à ce niveau-là. Ensuite, je vais poursuivre avec la question numéro 6, qui est de Maria Vital. Alors, elle dit ceci. « Je suis sur le coin de la rue Fizet et Monty et je pense que vous devriez interdire le stationnement de voitures sur les deux coins de rue ou faire des bandes jaunes sur les coins de trottoir. Et croyez-moi, les manœuvres des autobus se font difficilement à cause que la rue devient trop étroite avec des voitures stationnées. Bien sûr qu'en hiver, c'est beaucoup plus pénible. Malheureusement, les gens ne respectent rien et se stationnent n'importe comment et disons qu'ils s'en foutent carrément. Ceci est une observation que j'ai constatée plusieurs fois. » D'ailleurs, vous comprendrez qu'on est dans nos balbutiements en termes de questions à distance, mais il faudra bien entendu respecter un certain décorum dans vos questions quand vous allez nous l'envoyer. On va d'ailleurs publiciser, en fait, envoyer bientôt les consignes par rapport aux questions, donc ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Alors, même si on n'est pas dans l'enceinte du conseil d'arrondissement, vous comprendrez que ce moment est une période officielle. Alors, à la limite, je vais me permettre, lors des prochains conseils, d'ajuster certaines questions s'il y a des mots qui ne sont pas autorisés de notre côté. Alors, pour répondre à cette question, je vais également demander à Mme Rossi de pouvoir poursuivre et répondre à la citoyenne de façon rapide, Mme Rossi, si possible. Oui, sans problème. Alors, merci, Mme Vital, pour votre question. On entend bien la problématique. Écoutez, ça n'a pas été soulevé. On n'a pas eu d'indication de la part du transporteur des autobus que vous nous parlez. Mais écoutez, le fait que vous soulevez le cas fait que tout ça va être retransmis au comité de mobilité. Notre agent technique va aller vérifier les difficultés que vous parlez de virage, si on peut dire, et pour les bandes jaunes et tout ça, bien, tout va être vérifié par le comité de mobilité. Parfait. Merci beaucoup, Mme Rossi. Je passe maintenant à la question numéro 7. Et Mme Bergeron, on est toujours correct dans les temps? Oui, Mme la mairesse, il reste 12 minutes environ à la période de questions. Parfait. Donc, au premier 30 minutes, c'est ça? Oui. Parfait. Excellent. Alors, donc, la question 7 est de Juliane Moreau au nom du regroupement de résidents signataires d'une pétition. Alors, la situation de la circulation de transit sur le boulevard Gouin entre Saint-Vital et l'avenue Garon est toujours aussi dangereuse. La vitesse et le nombre de voitures posent un problème grave à la sécurité des piétons et cyclistes. Une pétition a été remise, signée par la très grande majorité des résidents du secteur et de très nombreuses représentations ont été faites au conseil d'arrondissement depuis plus de 3 ans. Un nouvel accident est imminent. Sachez que si aucun sens unique n'est mis en place, lorsque celui-ci aura lieu, notre groupement de résidents s'assurera que votre administration soit tenue responsable publiquement, politiquement et légalement. Voici ma question pour une énième fois. Alors que la mairesse de la Ville de Montréal impose des mesures pour le boulevard Gouin pour sécuriser les déplacements des cyclistes et piétons cet été, allez-vous saisir cette opportunité pour mettre en place de façon permanente un sens unique sur le boulevard Gouin dans notre secteur, tel que le comité de citoyens que vous avez mis en place le recommande d'ailleurs? Alors, également, comme c'est une question de circulation, pour aujourd'hui, je vais la transmettre à Mme Rossi. Alors, merci, Mme Moreau, pour votre question. Nous sommes effectivement sensibilisés à cette situation qui a pris une tangente particulière à cause de la pandémie, à cause du confinement. D'une part, les entreprises impliquées dans ce dossier étaient au ralenti ou fermées d'une autre part. Le confinement a réduit, bien entendu, la pression sur la circulation de transit. Nous sommes aussi conscients qu'avec le déconfinement progressif, la circulation va reprendre sur le boulevard Gouin. C'est pourquoi l'arrondissement a collaboré avec la Ville de Montréal afin de valider l'implantation du corridor
bleue là, de déplacement sécuritaire sur l'axe Gouin qui sera lié au centre-ville par Christophe Colomb. C'est là une belle occasion de tester l'efficacité de mesures comme le sens unique. L'implantation de voies actives sécuritaires impliquera de ne permettre la circulation sur Gouin que dans une seule direction. La transformation en sens unique temporaire de cette artère sera une opportunité pour étudier le comportement des automobilistes. Malgré la situation particulière de post-pandémie et de début des vacances estivales, ce dossier sera d'ailleurs présenté aux membres du comité Gouin-Saint-Vital, dont vous faites d'ailleurs partie, qui se penchent sur les enjeux de circulation dans ce secteur de l'arrondissement. L'étude d'un sens unique permanent a été présentée par ailleurs à ce comité. Des études plus précises étaient en cours pour valider les impacts plus fins des récents scénarios. Celles-ci ont été arrêtées puisque les écoles étaient fermées, le volume de circulation ayant radicalement diminué. Les analyses plus fines devenaient inutiles. La bonne nouvelle demeure qu'après 3 appels d'offres, nous sommes enfin en mesure d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux permettant de sécuriser le déplacement aux intersections ciblées dans la première étude et acceptée lors de la consultation. Alors, tout ça pour vous dire qu'à la lumière de ce qui va se passer sur Gouin, c'est certain qu'il n'y aura pas de changements qui vont se faire permanents sans que les élus de Montréal-Nord aient consulté leurs citoyens. Alors, on va voir comment tout ça va se passer cet été. Et à la lumière de ça, on verra ce qui va arriver de tout ça. Merci beaucoup, Mme Rossi. Alors, je passe maintenant au point, à la question 8. En fait, ça vient de Pasquale Filosa. Il y a 2 questions. Je vais les prendre une à la fois. Alors, la première question, c'est demande d'installation de 2 dos d'âne sur la rue Belleville entre Fleury et Prière. Depuis octobre 2019, l'arrondissement a dit qu'il ferait une étude, mais le citoyen n'a toujours pas eu de nouvelles. C'est une zone de 30 km, mais les gens roulent à grande vitesse. Alors, comme c'est une question de circulation, encore une fois, Mme Rossi, je vais vous donner la parole. Bien, tout d'abord, permettez-moi de saluer M. Filosa, s'il nous écoute. Hein? M. Filosa est un de nos habitués. Alors, la proposition d'installation d'un dos d'âne sera inscrite pour l'analyse du comité consultatif de mobilité. L'arrondissement ne réalise pas de comptage durant l'hiver, là, comme je le disais précédemment pour une autre question, mais on recommence les comptages tranquillement. Alors, la rue Belleville sera ajoutée à la liste des comptages et on sera en mesure de voir avec l'agent technique les résultats du comptage et voir les moyennes de vitesse puis tout ça. Alors, on va temporairement installer la stèle de vitesse jusqu'au comptage pour essayer, étant donné qu'on est devant un parc. Alors, on va installer la stèle qui, personnellement, mon avis personnel, est très incitatif. C'est, en tout cas, moi, quand je vois une stèle de vitesse, je trouve que c'est très intéressant. Alors, ça va sûrement aider. C'est très incitatif. Et on va transférer la demande de surveillance pour la vitesse au SPVM. Et d'ailleurs, on est bien placé. Là, il y a M. Lavallée qui nous entend. Alors, il sera au fait de votre demande, M. Filosa. Et il a bien entendu qu'il y a une problématique de vitesse sur la rue Belleville, près du Parc Ottawa. Merci, Mme Rossi. Donc, je vais passer maintenant à la deuxième question de M. Filosa. Derrière la bibliothèque Belleville, il y a des transactions de drogue. Le 28 mai, le citoyen a surveillé entre 22 et 23h30 et 11 voitures se sont rendues sur place. Le citoyen s'est plaint plusieurs fois au CA et l'arrondissement. Il demande quand on fera quelque chose. Alors, c'est sûr que dans une certaine mesure, nous, on entend ces éléments-là. Et le stationnement, d'ailleurs, derrière la bibliothèque est un élément pour lesquels on avait plusieurs un élément de sécurité. Là. Je sais que nos équipes sont déjà en train de vérifier à ce niveau-là. Ce que j'entends, c'est qu'il y a quand même plusieurs voitures qui sont rendues sur place. Pour poursuivre, en fait, je vais référer la question à M. Lavallée, qu'on a la chance d'avoir parmi nous, qui va pouvoir vous donner quelques pistes de réponse à votre question. M. Lavallée. Merci beaucoup, Mme Black. Alors, je vais porter le problème à l'attention des patrouilleurs du poste 39. Cependant, avec la question, là, j'essaie de bien comprendre ce qui se passe. Je voudrais d'abord inviter les citoyens à communiquer avec la police en faisant 911 en cas d'urgence. Pour M. Filosa, il y a des éléments d'urgence, il ne faudrait pas hésiter. Sinon, c'est de faire le 514-280-2222 quand il n'y a pas d'urgence.
pourquoi on appelle directement la police plutôt que de prendre des détours? C'est parce que ça nous permet d'intervenir rapidement, de communiquer avec vous et d'obtenir de l'information supplémentaire aux besoins et aussi vous faire un retour si c'est pertinent ou si vous le souhaitez. Alors, si jamais le téléphone n'est pas une option pour vous, il y a aussi la possibilité d'écrire au SPVM sur le site www.spvm.qc.ca. Donc, je pense que Mme Black vous connaît. Alors, on va peut-être se mettre en lien, elle et moi, pour que je puisse avoir vos coordonnées puis porter la problématique à l'attention de mes employés. Parfait. Merci beaucoup, M. Lavallée. M. Sarré, vouliez-vous intervenir? Oui, j'ajouterais un élément, parce que ce qu'on voit dans cet incident-là, c'est qu'il y a eu déjà un déplacement des patrouilleurs. Puis, encore une fois, que ce soit pour cet incident-là ou pour d'autres incidents, il est très important que pour l'ensemble des citoyens, pour des fins de statistiques et pour planifier les opérations, c'est très important d'appeler le 911 pour que ce soit bien évidemment noté et par la suite colligé comme information qui pourrait orienter les opérations policières. Ça, c'est très important. Deuxièmement, maintenant, on sait, puis je pense que ça a été porté à l'inspecteur, M. Patrick Lavallée, comme quoi il y a une problématique derrière. Alors, en même temps, on peut inviter le poste de quartier peut-être à avoir cet élément-là qui a été soulevé aujourd'hui en conseil d'arrondissement. Mais encore une fois, pour cet incident, toutes sortes d'incidents qui peuvent sortir un peu de la normale et qui peut nuire à la quiétude des citoyens, je les invite toujours à composer le 911 et à aller voir le poste de quartier ou tout simplement parce que ça nous prend des données probantes pour pouvoir planifier ces opérations-là. Merci. Merci, M. Sarré. Alors donc, on va poursuivre avec la question numéro 9 qui nous vient de Marco Gill. Alors, qui nous dit, il demande un panneau d'arrêt sur la rue des Narcisses, coin Personnage, à cause de la grande vitesse des voitures qui arrivent de Lacordaire. Alors, encore une fois, c'est des questions de circulation. On en a plusieurs ce soir. Je vais transmettre la question à Mme Rossi pour qu'elle puisse vous répondre. Écoutez, M. Gill, on entend. Merci pour votre question. On va regarder ça. L'agent technique, c'est toujours des dossiers qu'on regarde, qu'on prend en note, qu'on met sur l'ordre du jour du comité de mobilité. Et l'agent technique se rend sur place et évalue parce que c'est sûr que mettre, tu sais, je pourrais vous dire, oui, on va mettre un arrêt, mais il y a des règles à respecter. Alors, il faut aller voir si un arrêt est possible, s'il y a d'autres arrêts sur place. Il y a des certains nombres de mètres à respecter, mais écoutez, on va aller voir. Et puis, votre dossier va être soumis au comité de mobilité et on vous revient sans faute avec une réponse. Parfait. Donc, merci, Mme Rossi. Je poursuis les questions avec la question numéro 2 qui nous arrive de Imelda Fascine-Bicinella. Depuis le 1er mai, la rue Léopold-Pouliot et place Léopold-Pouliot n'ont pas vu la balayeuse. J'ai averti la ville 2 semaines de suite. Sans résultat, j'attends cette semaine pour voir le résultat. Alors que je l'ai mentionné d'entrée de jeu, hein, on a certains défis actuellement pour compléter notre tour d'arrondissement pour s'assurer que le ménage soit fait dans nos rues. On le sait, la première fois qu'on passe en début de saison, c'est toujours un petit peu plus long parce que on a des résidus de la saison hivernale. On a également des fois des feuilles qui nous restent de la période d'automne. Donc, les balais doivent revenir pour être vidés beaucoup plus fréquemment. Et comme je le disais, ça prend bon an, mal an, environ 6 semaines pour pouvoir faire le grand ménage. Donc, d'ici 2 semaines, je vous dirais, là, le grand tour devrait être complété. Et puis, nos équipes travaillent ardemment. D'ailleurs, M. Bédard, est-ce qu'il y avait un autre élément que vous souhaitiez envoyer, discuter à ce sujet? Bien, c'est certain, là, comme vous disiez, que c'est 6 semaines de nettoyage. On a encore pour un gros 2 semaines là, avec la finalisation là, des parcours de balais, là, les finaliser, puis notre agent technique, les contremaîtres vont les surveiller près des rues qui n'avaient pas eu de passage encore. Parfait. Donc, merci. On souhaite ardemment que tout le chemin puisse être fait. Hein. On sait à quel point c'est important pour les citoyens. Donc, on a déjà pu terminer le premier bloc de 30 minutes pour les questions. Je propose de rallonger de 15 minutes parce qu'il nous reste 3 questions. Donc, j'irai de l'avant pour poursuivre. Et d'ailleurs, je tiens à mentionner qu'on a quand même d'autres questions. En fait, on en a plusieurs hein, qui nous arrivent par Internet. Alors, c'est une façon de faire qui est nouvelle, mais en même temps, on voit qu'il y a un certain engouement de la part de nos citoyens à ce sujet-là. Et c'est des sujets très variés, comme on peut le constater. Alors, la question numéro 11 nous arrive de Jean Junior.
Alors, le nettoyage des rues n'est pas fait selon l'horaire des panneaux. Alors, on en a discuté au point précédent. C'est la troisième question sur le sujet. Alors, donc, sachez que nos équipes travaillent et que d'ici, comme M. Bédard le mentionne, d'ici un gros deux semaines, là, on devrait avoir fait le tour de l'arrondissement et s'assurer que tout se passe bien. Et j'en profite d'ailleurs pour dire aux citoyens que lorsque le panneau, exemple, une interdiction de stationnement sur une rue entre certaines heures, c'est oui pour faire le ménage, mais ce n'est pas l'unique raison. Il y a également, ça nous permet de voir s'il n'y a pas des voitures abandonnées sur les rues et puis de pouvoir constater d'autres anomalies qui pourraient être présentes sur la rue. Également, nos services peuvent utiliser ces blocs horaires-là pour pouvoir faire des travaux en sachant que la rue sera disponible à ce moment-là. Alors, voilà, donc j'espère que ça répond à votre question. Alors, comme je le disais d'entrée de jeu, un petit peu plus de patience et puis tout va rentrer dans l'ordre prochainement. Nos équipes travaillent ardemment et d'ailleurs, je tiens à saluer tout le travail de nos cols bleus actuellement qui travaillent dans des conditions qui ne sont pas faciles et qui demandent beaucoup d'adaptation, beaucoup d'ajustements. Parce que certains locaux qu'on a sont très exigus, donc ça a impliqué d'ouvrir des nouveaux locaux tels que l'Aréna Garon, entre autres, pour permettre des moments de pause. Donc, vraiment, tout le monde est mis à contribution et puis on les salue et on les remercie pour tout leur travail. La question numéro 12 arrive de Joyce Pépin. Alors, elle parle de problèmes sur la rue Albert-Brosseau. Quand les policiers régleront le problème de flanage, de consommation, vente de stupéfiants et d'attroupement? Alors, pour cette question, je vais la transmettre. On parle toujours de circulation, entre autres, à Mme Rossi. Merci, Mme la mairesse. Alors, effectivement, on connaît, on a beaucoup entendu la problématique sur le boulevard, pas sur le boulevard, mais sur la rue Albert-Brousseau, du côté sud, entre Étier et Savard. On est au fait. On connaît effectivement les enjeux de paix, les enjeux de sécurité depuis quelques temps. Ça nous est envoyé, ça nous est nommé. Alors, des gens qui stationnent, qui demeurent sur place tardivement, qui font des pratiques, des activités illicites, parce que la situation le commande, nous proposons. Alors, depuis le début de la séance, quand les questions me reviennent, je dis que ça s'en va au comité de mobilité. Alors, le comité de mobilité, de la façon dont ça fonctionne, émet des recommandations aux élus. Et pour cette fois-ci, les élus, nous allons à l'encontre des recommandations du comité de mobilité parce que le comité de mobilité ne nous recommandait pas de faire une interdiction de stationner sur la rue du côté sud sur Albert-Brousseau. Eux n'étaient pas en accord avec ça. Alors, nous allons voter au point 40.01 un petit peu plus tard. Nous allons aller à l'encontre de cette décision-là pour effectivement installer une interdiction de stationner de 21h le soir à 6h le matin. Du côté sud de Albert-Brousseau. Alors, cette interdiction-là, ce qu'elle va permettre, c'est qu'elle va permettre aux policiers d'intervenir, leur donner comme une porte d'entrée pour pouvoir intervenir sur les autres enjeux, parce que là, actuellement, sans interdiction, il n'y avait pas de possibilité d'intervenir. Alors, on leur donne une possibilité d'intervenir. On espère que tout ça va aider grandement la situation. Mais effectivement, comme je vous ai dit, au point 40.01, on vote, on ne va pas dans la recommandation du sens du comité de mobilité, mais bien à l'écoute de nos citoyens et vous allez avoir une interdiction de stationner de 21h à 6h. Parfait, merci Mme Rossi. Et d'ailleurs, j'ai une dernière question qui est la question 13 ce soir qui nous arrive de Carl Rodrigue. Madame la mairesse, à votre rencontre du 4 mai dernier, plusieurs citoyens du secteur du boulevard Albert-Brosseau entre les avenues Savard et Étier vous ont adressé leurs préoccupations et questions. Vous nous avez répondu que vous étiez fortement volontaire pour induire un changement et que vous alliez intervenir dans un délai de quelques jours à quelques semaines en réponse au comportement d'incivilité d'individus qui fréquentent l'endroit. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons observé aucun changement. Quelles ont été vos actions, puisque nous vivons cette problématique depuis de nombreuses années, que nous avons tous des propositions pour régler la situation? Nous vous demandons de quelle façon nous pouvons se joindre à vous, à votre équipe ou à un comité pour que la situation puisse être résolue rapidement. Merci de votre précieuse collaboration. Alors, comme Mme Rossi l'a mentionné à la question précédente, ce soir, on pose un geste important. Sachez que c'est
c'est rare qu'on va à l'encontre de nos comités consultatifs, que ce soit le comité d'urbanisme ou cette fois-ci de mobilité. Mais par contre, cette fois-ci, on veut, en fait, on veut essayer, on veut tenter quelque chose. Et bien sûr, c'est avec vous, hein? Vous êtes sur le terrain, vous habitez ce secteur. Alors, en interdisant, en installant des pancartes d'interdiction de stationnement de 21h à 6h le matin, ça nous donne également, ça va donner également un levier supplémentaire, comme le disait Mme Rossi, au STVM, pour pouvoir intervenir de façon plus importante. Parce que quelqu'un qui est arrêté à ce moment-là peut avoir, les policiers peuvent aller voir pour faire en sorte que les gens circulent. On a quelques craintes, par contre, parce que est-ce qu'il y aura plus de gens sur vos rues transversales ou autres? Bien entendu, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais en même temps, on s'est dit qu'il faut quand même essayer quelque chose. Donc, en ce moment, c'est ce qu'on essaie pour les prochaines semaines. Et là-dessus, vous êtes nos alliés. C'est comme ça que je le vois, pour qu'on travaille ensemble. C'est ce que je sentais dans votre question, que vous nous tendez la main. Alors, on y va pour ça. Et puis, comme Mme Rossi le disait, c'est le point 4001. On va en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va l'adopter. Et notre souhait, c'est vraiment de pouvoir faire des tentatives. Et bien entendu, c'est un premier geste. On va analyser, on va observer autant de notre côté que du vôtre. Également avec le STVM, ils vont pouvoir également nous faire des recommandations. Et par la suite, au besoin, on va réajuster. Et surtout, notre souhait principal, c'est qu'il puisse y avoir un peu plus de quiétude dans votre secteur. Et d'ailleurs, je tiens à dire, vous partagez dans votre message, et je pense que dans l'autre question précédemment également, que ça faisait plusieurs années. Je tiens quand même à rappeler que ça s'était beaucoup calmé dans les derniers temps. C'est vraiment l'arrivée de la pandémie qui a exacerbé la problématique dans votre secteur, selon ce que j'ai pu comprendre. Alors donc, un premier geste ce soir d'importance, et puis on va pouvoir suivre la situation de près. Je me demande également si monsieur, est-ce qu'il est toujours parmi nous, notre inspecteur? Je pense qu'il est parti. Oui, je pense qu'il a malheureusement quitté. Mais dans le même sens, Madame la mairesse, si vous le permettez, oui, c'est la même chose. Mais dans le même sens que l'autre question, ça demeure très important que les citoyens appellent puis laisse vraiment une trace au niveau des données pour que le service de police ait une information beaucoup plus intéressante sur laquelle il peut baser ses planifications. Tout à fait. Donc, on rappelle les numéros, bien entendu, le 911 s'il y a urgence. Si c'est pour signaler une situation et qu'il n'a pas nécessairement urgence, à ce moment-là, vous pouvez faire le 514-280-2222. Et comme M. Sarri le mentionne, ça permet de monitorer ce qui se passe et pour nous également d'avoir plus d'informations à ce sujet-là quand on travaille avec le service de police. Alors, donc, voilà, donc c'est ce qui met fin à la période de questions. Je remercie vraiment tous les citoyens qui nous ont transmis leurs questions à l'avance, également un peu plus tôt par téléphone. Sachez que pour nous, c'est un moment privilégié pour être en contact avec vos préoccupations. En même temps, je tiens tout de même à rappeler qu'entre les séances du conseil, nous demeurons disponibles, que ce soit par courriel, par téléphone également. Alors, n'hésitez surtout pas à nous contacter pour qu'on puisse pouvoir s'occuper, en fait, de votre problématique avant le conseil. Hein. Des fois, entre les conseils, il peut y avoir 3 semaines, 1 mois. Donc, vraiment, on demeure disponible entre ça par courriel, réseaux sociaux. Donc, on est très actifs, les 5. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Donc, chers collègues, on va passer au conseil ordinaire. Alors, donc, on va adopter le point 10.04. Oui, le point 10.04, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 4 mai 2020 à 19h, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 7 mai 2020 à 8h45. Je propose. J'appuie. Alors, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par Mme Rossi. Donc, j'appelle maintenant le 20-01. En fait, là, il y aurait le dépôt, hein? Donc, le 12-01, c'est ça? Oui. Alors, excellent. On a le PowerPoint qui s'affiche à l'heure actuelle. Donc, le 10-01, donc, c'est le dépôt de la motion. Donc, je vais demander à mon collègue, M. Sarri, de la lire pour nous. Merci beaucoup à Mme la mairesse. Avant de lire la résolution qui va être envoyée au Conseil de ville, j'aimerais réitérer ce que vous avez mentionné tout à l'heure et ce que Mme Billingal a exprimé aussi, que toutes nos pensées vont envers la famille et les proches de George Floyd, décédé à la suite d'une intervention policière à Minneapolis. Ce drame malheureux interpelle le monde entier. Les images
sont percutantes et choquantes. Comme l'a bien dit Mme Bilinga, le racisme a toujours existé. La seule différence maintenant, c'est qu'il est filmé. D'ailleurs, cette affaire ramène en premier plan le port des caméras portatives auprès des policiers de Montréal, qui peut être un outil qui ramènerait plus de transparence, qui ramènerait plus de confiance entre la population et le service de police. Alors, je vous lis, Madame la mairesse, la motion qui pressent le SPVM de procéder au déploiement des caméras portatives et de tenir ses engagements en matière d'interpellation policière pour l'année 2020. Attendu que le nombre d'interpellations effectuées par les services de police de la ville de Montréal a grimpé de 143% entre 2014 et 2017, alors qu'il n'y a pas eu de hausse notable du nombre d'incidents criminels sur le territoire montréalais. Attendu que, depuis 2010, des rapports sur les pratiques de profilage et d'interpellation ainsi que des plans stratégiques pour contrer le profilage racial se sont succédés au sein du SPVM sans pour autant donner des résultats concluants. Attendu qu'entre mai 2016 et avril 2017, le SPVM a mis en place un projet pilote visant à équiper ses policiers de caméras portatives et que les résultats du projet pilote montrent que 69% des patrouilleurs du SPVM reconnaissent que les caméras portatives peuvent être utiles, notamment pour renforcer leurs témoignages à la cour. Attendu que le sondage post-projet pilote présenté dans le rapport du SPVM a révélé que les citoyens étaient généralement plus satisfaits du service des policiers munis des caméras portatives. Attendu que le rapport 2019 du projet pilote du SPVM sur les caméras portatives recommandait de ne pas aller de l'avant avec un déploiement citant entre autres des coûts trop élevés, mais que le rapport a grandement surestimé les coûts de l'implémentation des caméras portatives, notamment sur la question des salaires, et que l'administration montréalaise s'est basée sur les conclusions du dur rapport afin de ne pas déployer des caméras portatives. Attendu que, depuis la fin du projet pilote du SPVM, la technologie des caméras corporelles et du stockage de données s'est améliorée. Attendu que les captations vidéo complètes d'une interpellation ou d'une intervention policière permettront non seulement d'aider les citoyens, les policiers, les instances disciplinaires, déontologiques et judiciaires à éclaircir les circonstances d'une interpellation ou d'une intervention, mais aussi d'inciter les victimes d'abus à porter plainte et à remettre en question un comportement discriminatoire d'un policier. Attendu que, d'une optique d'imputabilité, de responsabilité, de transparence et de renforcement de la confiance du public envers leurs services de police, les villes comme New York, Chicago, Los Angeles, Albuquerque, Oakland et Calgary ont choisi d'implanter les caméras portatives, attendu que plusieurs études aux États-Unis font état d'une diminution significative de l'usage de la force dans les interpellations policières et des plaintes associées lorsque les policiers portent des caméras corporelles, attendu que le déploiement à grande échelle des caméras portatives permettra de mettre en place une mesure concrète pour contrer le profilage racial et sociale au SPVM et rehausser la confiance du public envers le travail des policiers montréalais et policières montréalaises, attendu que le rapport sur les interpellations policières à la lumière des identités racisées publié en octobre 2019 démontre que les personnes issues de minorités visibles sont plus susceptibles d'être interpellées lors de contrôles aléatoires par les policiers du SPVM, attendu que, suite à ce rapport, le SPVM s'est engagé lors d'une consultation publique, a adopté une politique encadrant les interpellations policières, ainsi que constituer une équipe spécialisée dans les interventions auprès des communautés culturelles et des personnes ayant des besoins particuliers pour le mois de mars 2020, et que le SPVM a décidé de remettre à plus tard ses engagements à cause de la crise sanitaire. Attendu que l'opposition officielle à la ville de Montréal a présenté en février 2020 une motion demandant le déploiement graduel et permettant des caméras portatives auprès des corps policiers du SPVM, et que cette motion n'a pas été adoptée par l'administration suite à des négociations infructueuses. Attendu que le 25 mai dernier, M. George Floyd est décédé suite à une interpellation policière dans la ville de Minneapolis. Attendu qu'une manifestation contre la brutalité et le racisme a eu lieu le 31 mai à Montréal dans la foulée du décès de M. Floyd, rassemblant des milliers de personnes et ravivant le débat entourant le racisme. Il est proposé par moi-même, Abdelak Sari, conseiller de ville du district Marie-Clarac, et appuyé par Mme Chantal Rossi, conseillère de ville du district Ovid-Clermont, que la ville de Montréal prenne l'engagement ferme d'implanter rapidement et de façon permanente les caméras portatives au SPVM, que la ville de Montréal presse le SPVM de publier sa politique sur les interpellations policières qui devrait être publique en mars 2020, et de mettre sur pied une équipe spécialisée dans les interventions auprès des communautés culturelles et de personnes ayant des besoins particuliers qui devaient être constituées en mars 2020 également.
je finis ma résolution et je pense que Mme Renée Chantal Binega, qui est conseillère d'arrondissement, voulait aussi appuyer cette motion. Je lui demande de manifester, ainsi que M. Jean-Marc Poirier. Merci, Madame la mairesse. Je vais donc, tel que demandé par M. Sarri, me prononcer. Donc, j'appuie bien sûr cette résolution concernant le port de caméras corporelles pour les policiers du STVM, une résolution nécessaire qui effectivement va ramener plus de transparence et de confiance dans le travail des policiers envers les citoyens nord-montréalais, les citoyens montréalais. Merci. Merci à Mme Bélinga. Monsieur Poirier? Merci, Mme la mairesse. Je me joins à mes collègues pour appuyer la motion de M. Sarri et de Mme Rossi. Parfait. Donc, si vous me permettez, j'aimerais quand même dire quelques mots, assurer les citoyennes de Montréal-Nord, assurer mes collègues que nous porterons, M. Sarri portera le dossier. Il le porte déjà depuis un certain temps. Et c'est avec beaucoup de foi dans cette motion que je vais l'appuyer, que nous allons amener ce dossier-là à la Ville-Centre et finalement espérer qu'il y aura des oreilles à l'autre bout qui vont nous entendre et qui vont comprendre que c'est inconcevable de vivre ce qui s'est vécu cette semaine au Minnesota. C'est outrant que en 2020, on n'ait pas encore entendu le message de Martin Luther King en 1963 qui disait « I have a dream ». Le rêve est toujours là d'avoir un monde uni, quelles que soient les races, quelles que soient les religions, que nous sommes tous et toutes des êtres humains à part entière, quelle que soit notre couleur. Alors, c'est à travers des gestes comme cette motion-là. Puis je dirais que c'est quasiment dommage d'être obligé d'en arriver à avoir une motion comme ça parce qu'il y a effectivement du profilage racial. Étant petite fille d'immigrants, je vous dirais que dans les années 40, c'est mon père, comme Italien, qui était victime de racisme et mes grands-parents l'ont été. Alors, le racisme dans la famille, on en a entendu parler grandement et ça s'est vécu. C'était autrement, c'était une autre époque c'était d'autres gens qui étaient visés ici à Montréal, mais ça n'en demeure pas moins que c'était du racisme. Alors, c'est quelque chose qu'on ne peut accepter et on va porter ce dossier-là hautement à la Ville de Montréal et je vais appuyer mon collègue dans cette quête d'avoir des caméras portatives pour les policiers afin d'assurer une transparence pour les citoyens et les citoyennes de Montréal. Je tenais aussi à remercier la Madame la mairesse parce qu'on nous a donné cette opportunité. Madame la mairesse, je tiens à vous remercier l'ensemble de l'administration aussi et mes chers collègues conseillers, conseillères, de m'avoir donné cette opportunité de le déposer d'une manière un peu prompte, rapide, et en même temps se poser la question pourquoi cette administration à la Ville-Centre ne veut pas aller de l'avant avec cette motion-là, avec ce déploiement progressif et rapide. Alors, on leur demande encore une fois, on exige ce port des caméras portatives auprès des policiers. Merci encore une fois, Madame la mairesse. Parfait, merci, M. Sarri. Donc, Mme Papineau, Mme Bergeron, vous comprendrez que la motion est adoptée à l'unanimité. Oui. Donc, on va poursuivre avec le point 20.01 à 20.02. Le point 20.01, adjuger à Construction La Rotec Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 449 880 $16, taxes incluses, le contrat pour des travaux de construction de saillie de trottoir, reconstruction de sections de trottoir et surélévation du pavage sur diverses rues de l'arrondissement, autoriser une dépense de 44 988 $02, taxes incluses pour les contingences, autoriser une dépense de 66 949 $94, taxes incluses pour les incidences, c'est pour une dépense totale de 561 818 $12. Le point 20.02, accorder une contribution financière de 30 000 pour l'année 2020-2021 à la table de quartier de Montréal-Nord. C'est pour la réalisation d'un plan d'action collectif en matière de violence conjugale et on vous demande d'approuver le projet de convention à intervenir. Je propose. J'appuie.
Alors, c'est proposé par Mme Rossi, appuyé par Mme Bélinga. J'appelle maintenant le 2003 à 2004. 2003, résilier deux contrats et conventions de services octroyés pour des spectacles, expositions et activités culturelles prévues dans l'arrondissement durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés en raison de la COVID-19 et accorder une contribution financière d'un montant de 1 950 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal pour le spectacle Au cœur de la forêt noire et 1 800 $ à l'organisme Les Fous tout court pour le spectacle Les Échappés. Le point 20.04, approuver la cession des droits et obligations du contrat 10-10. C'était la portion du contrat 1. C'est pour des services professionnels en ingénierie multidisciplinaire à IFNX Innov Inc. suite à la fusion avec Axor Expert Conseil Inc. Le tout conformément à l'article 9.1 des clauses administratives générales du cahier des charges. Je propose. J'appuie. C'est proposé par M. Poirier et par Mme Rossi. Alors donc, j'appelle maintenant le 30-01 à 30-03. 30-01, approuver et déposer les rapports mensuels au 30 avril 2020. 30.02, approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 avril 2020. Le point 30.03, autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière pour la planification de milieu de vie durable dans le cadre de la réalisation du plan d'action collectif en habitation de Montréal-Nord. Je propose. J'appuie. Donc, c'est proposé par M. Sarri, appuyé par M. Poirier. J'appelle le 40-01. Le point 40.01, donc on vous demande de statuer sur les diverses recommandations du comité consultatif sur la mobilité qui a siégé le 6 mai 2020. C'est en vertu du règlement 1570 sur la circulation routière. Super, donc en fait, oui, ben en fait, l'idée c'est de on va prendre les proposeurs à appuyeurs, mais en même temps, de notre côté, comme Mme Rossi l'a mentionné tantôt et que je l'ai fait également, donc on donne notre travail aux recommandations, sauf la recommandation d'Albert Brosseau qu'on souhaite finalement ajouter des panneaux dans le secteur sud, sur le côté sud, en fait, de 21h à 18h pour une interdiction de stationnement. Alors, pour le reste, on donnait notre aval aux recommandations. Alors, ça va prendre un proposeur et un appuyeur. Je propose. J'appuie les points amendés. Parfait, excellent. Donc, proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. Mme Bergeron, tout est conforme? Oui, je vais le noter à la résolution et au procès-verbal. Parfait, excellent. Merci beaucoup. J'appelle donc maintenant le 40-02. Le point 40.02, statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir permettre le projet d'aménagement et de mise en valeur du site de la maison Brignon-Dilapierre, qui est situé au 4251 boulevard Gouin-Est, et c'est en vertu de notre règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Je propose. J'appuie. Super, donc c'est proposé par M. Poirier, appuyé par M. Sarri. Et ça se trouve être le dernier point de notre ordre du jour. Vous comprendrez que c'est une période très particulière parce qu'habituellement, au mois de juin, nous avons deux conseils justement parce qu'il y a beaucoup de points à passer et compte tenu de la pandémie, il y a différents projets qui, malheureusement, comme on le disait tantôt, vont retarder ou vont être reportés tout simplement. Donc, habituellement, on passe beaucoup de projets à ce temps-ci de l'année pour les constructions à l'été. Donc, c'est plutôt calme, malheureusement, ces temps-ci. Alors, on aura un autre conseil. On va en parler de toute façon lorsqu'on aura terminé les PowerPoints. Alors, le 31 mai, donc hier, c'était la fête des mères haïtiennes. Donc, on souhaite bien entendu bonne fête des mères à toutes les mamans haïtiennes et dans les Caraïbes. De façon générale, c'est surtout célébré le dernier dimanche du mois de mai. Alors voilà, c'est dit maintenant. Le 21 juin, mon collègue M. Sarri a eu l'occasion de le dire, donc la fête des pères, donc des pères et des grands-pères. Hein. D'ailleurs, je tiens personnellement à saluer M. Poirier, notre collègue qui est maintenant grand-papa. Alors, dans un contexte qui n'est pas facile, hein, vous comprendrez. Alors, vraiment, on vous félicite, M. Poirier, pour cette nouvelle venue dans la famille. Merci, Mme la mairesse. Excellent. Donc, on peut poursuivre le PowerPoint. Alors, effectivement, les cliniques de dépistage se poursuivent à Montréal-Nord, mardi le 2 et le 3 juin, à la MCC au boulevard Roland, au 12004 boulevard Roland. Également samedi le 6 et dimanche le 7 juin dans le stationnement de la mairie sur la rue de Charleroi.
Donc, c'est là que ça va se passer. Et la prochaine séance du conseil est prévue toujours le 29 juin 2020 à 19h. Alors, ceux et celles qui ont des questions, n'hésitez pas à le faire d'ici là. Et puis sinon, ben, en fait, comme je le disais d'entrée de jeu, on est toujours disponible de toute façon. Alors, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous et surtout, continuez à bien déployer les mesures de distanciation sociale qui sont demandées par la santé publique. C'est vraiment pour la santé de tous actuellement. Alors, merci à mes collègues également qui m'ont accompagné, est avec moi ce soir pour faire en sorte que le conseil se déroule bien. Également à toute l'équipe qui était présente ce soir au niveau technique, mais au niveau également des directeurs administratifs. Alors, merci à tous et bonne soirée.